Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous un exercice qui va vous permettre de faire votre petite thérapie au quotidien. L'idée, c'est simplement de créer un petit sas de décompression dans lequel vous allez pouvoir faire une expérience différente de tous les événements que vous n'avez pas le temps de considérer dans leur intégralité, jour après jour, minute après minute. Ce qu'il faut comprendre pour commencer, c'est que dans l'état normal d'éveil, on ne peut pas traiter l'ensemble des informations du monde réel. Naturellement, notre cerveau va faire une sélection. Et comme le cerveau utilise jusqu'à 20% des ressources du corps, il ne peut pas utiliser ces 20% pour traiter la complexité totale du monde. Donc il va y avoir un déplacement de l'attention là où il est nécessaire d'avoir conscience pour prendre des décisions plus ou moins importantes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en arrière-plan de la conscience, il va y avoir tout un ensemble de mécanismes invisibles qui vont prendre des décisions de manière inconsciente, donc déclencher des modes de fonctionnement qui vont être automatique. C'est ce qu'on appelle des automatismes. Et souvent, pour bien le comprendre, on fait la séparation entre l'inconscient et le conscient. Dans l'inconscient, il va y avoir toutes les choses invisibles qui vont fonctionner en arrière-plan de la conscience. Et ce qui devient intéressant, c'est que, comme là on va parler d'un exercice qui est lié à la pratique de la méditation, et que la méditation a été instaurée dans le monde occidental par des psychiatres, ce qui devient intéressant, c'est de se poser la question: comment les bouddhistes qui ont travaillé avec les psychiatres pour laïciser la pratique voient l'inconscient? Et dans le bouddhisme, la notion d'inconscient n'existe pas. Il y a une notion différente qui pourrait être équivalente et qui s'appelle les fonctionnements habituels. Parce que dans la perception bouddhiste, tout ce qui appartient à l'esprit peut être observé, donc tout peut devenir conscient. Mais il y a simplement des choses qui fonctionnent en arrière-plan de la conscience et qui, pour être observées, nécessitent une certaine clarté et donc une certaine pratique. Ça veut dire que toutes mes réactions émotionnelles, toutes les choses qui conditionnent certains de mes comportements au jour le jour, qui apparemment sont automatiques, peuvent à un moment donné faire l'objet de mon observation, et qu'en les observant, ils peuvent devenir de nouveau conscients. Donc je peux mettre de la clarté sur ce qui n'est pas clair. Et le principe derrière l'exercice que je voudrais partager avec vous, c'est de faire votre propre thérapie. Parce que lorsqu'on parle de psychanalyse, en fait, le but de la thérapie consiste à amener le patient dans une observation de ses comportements, de telle manière à rendre visible ce qui est invisible. Et c'est en rendant visible ce qui est invisible, eh bien, qu'on va pouvoir initier un changement structurel chez le patient. Donc véritablement, on cherche à entraîner une prise de conscience. Mais ça, c'est un exercice que vous pouvez faire vous-même et qui consisterait simplement à faire de nouveau l'expérience de certains événements de vos journées avec un nouvel état de conscience qui ne correspond pas à l'éveil, mais un état plutôt méditatif. Lorsque vous vivez les événements de votre journée, vous les vivez à travers le conditionnement de l'état d'éveil qui nécessite des prises de décision, qui nécessite une certaine attention, parfois un certain stress pour réagir rapidement, etc. Mais si vous prenez un instant pour vous extraire de cet état et vous mettre dans un état un peu plus relaxé, un peu plus détendu, et refaire l'expérience de tous ces événements, eh bien en fait, vous allez revivre ces événements avec un autre état de conscience et donc accéder à des informations qui n'étaient pas perceptibles autrement que dans cet état de conscience. Et c'est en partie à ça que ça sert de switcher d'un état d'éveil à un état de relaxation, à un état de méditation. C'est rendre accessible des choses, des mécanismes qui, dans le flot naturel de l'éveil, ne sont pas accessibles parce que simplement ça va trop vite. Et le fait de se calmer permet de rendre visible tous ces événements, tous ces petits mécanismes qui fonctionnent en arrière-plan de la conscience. Donc l'exercice que je voudrais partager avec vous maintenant consiste simplement, à la fin d'une journée, d'arrêter de faire quoi que ce soit, d'essayer de vous poser, de vous asseoir simplement, et de vous mettre dans ce que j'appelle une posture d'accueil. Vous allez simplement respirer une dizaine de fois pour essayer de ralentir votre souffle, et donc par la même occasion de ralentir votre état de conscience, de switcher d'un état d'éveil à un état de légère relaxation. Une fois que vous êtes dans cet état de légère relaxation, un petit peu détendu, eh bien, je vous recommande de revivre l'ensemble de votre journée de manière totalement objective, calme, sans chercher à juger, évaluer quoi que ce soit. Simplement, laissez venir les événements de votre journée qui viennent et essayez de les observer comme si vous étiez extérieur à ces événements. Dans cet état de relaxation, vous laissez passer tous les événements de votre journée de manière calme et objective. À chaque fois qu'un événement se présente à vous, adoptez cette posture de vous positionner, de vous demander simplement: est-ce que c'était agréable, est-ce que c'était désagréable ou est-ce que c'était neutre ?
sans forcément chercher à juger ou à améliorer quoi que ce soit, agréable, désagréable, neutre. Et observez simplement. Et voyagez comme ça dans tous les événements qui se présentent à vous, agréable, désagréable, neutre. Et on laisse passer, on laisse passer, on laisse passer. Et le simple fait de faire ça va vous permettre d'observer certains comportements, certaines choses, certaines situations, certaines paroles, de ressentir aussi des choses qui n'ont peut-être pas été ressenties sur le moment, et de réaliser et de prendre conscience de certains mécanismes qui, dans le flot naturel des événements, dans un état d'éveil normal, n'étaient pas perceptibles. Le fait de faire l'expérience de ce que vous avez déjà vécu dans un état de conscience différent vous permet en fait de réaliser et de prendre conscience de différents aspects de votre réalité. Et c'est comme ça que petit à petit, vous pouvez vous entraîner à accéder à votre inconscient de manière calme, de manière objective et lucide, et contribuer chaque jour à rendre l'esprit clair. C'est-à-dire à permettre à votre conscient d'accéder à des pans de conscience qui d'ordinaire ne sont pas accessibles. C'est un petit exercice que vous pouvez faire un petit peu tous les jours et qui va vous permettre, grâce à cette gymnastique de l'esprit, d'entraîner votre clarté. Si la pratique de l'entraînement de l'esprit vous intéresse et que vous avez envie de progresser, je vous propose de vous abonner à ma liste email. J'envoie 1 à 3 mails par semaine pour vous partager des conseils, des exercices pratiques et des analyses afin d'accompagner votre entraînement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous la pensez pertinente. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien. Namasté.